Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un colis. Donc c'est un gros colis. Tiens, tu m'aides? Non, Fred il est à côté de moi pour l'ouvrir. Parce que bah, vous savez que voilà hein, le point il est hyper lourd. C'est la petite lutinette Mélanie, une abonnée qui me suit depuis 2-3 ans. Oui, ça fait 4 ans je suis sur YouTube. Et qui m'a offert donc un méga colis. Et comme vous savez que vous aimez, et pour, comme je vous ai toujours dit, pour la remercier, je préfère ouvrir en live. Donc voilà. Oh là là, tout ce qu'il y a. Oh là 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 là. Alors déjà, la première chose, bon, je ne sais pas si c'est pour moi ou pour Lily, hein. Dean et Lily. Voilà. Merci ma jolie, j'adore les cocos. Et en plus, je vais peut-être avoir le petit Papa Noël. Pardon. Donc j'ai une carte qui est bien enveloppée. Alors. Oh, elle est mignonne. Quelques couleurs en harmonie, une pincée d'or pour le plaisir, un bouquet d'amitié et des vœux par milliers. Elle est trop belle. Le chien qu'il y avait en haut, c'est un Whisty, c'était exactement la même loulou que moi j'avais. Alors, Madine, ma smilette, ces quelques mots j'ose pour te dire merci, merci pour ta simplicité, ta franchise, ta sincérité, tu es comme je te l'ai déjà dit une maman extraordinaire, une nana vraiment géniale. Bah moi aussi oui, j'aimerais bien te rencontrer aussi un jour, je vous souhaite à toi et à ta puce, à ton Peter Pan, de passer très bonne fête de Noël, même si je sais que tu n'aimes pas, oui c'est vrai, plein de gros bisous. Papa Noël a déposé des cadeaux, mais pas dans la même maison. Merci. Alors. Voyons voir. Et en plus, ça fait vraiment... Alors, je vois pour Lily. Merci beaucoup pour elle. Je vais aller le mettre tout de suite en dessous de sapin. Avec celui-là de Ève. Peter Pan, il est en train de trifouiller dans le carton. Laisse-moi ça tranquille. C'est pour moi que tu peines. Mais je peine pas. Alors, Dean, c'est fait vraiment, c'est mou. Arrête. C'est de simplifier la chose. Non, t'es un curieux. Ah, j'y crois pas. Si. Oh, c'est joli. Je sais pas, c'est quoi. C'est une belle trousse. Je mets le papier par terre, on enlèvera. Paris. Elle est belle. Alors, ça sert à quoi? C'est même pas une trousse. Qu'est-ce que c'est? Orval, je connais. Ah, c'est un sac, c'est super bien fait. Un sac pour les courses. C'est vraiment bien fait, hein, c'est génial. Mais arrête de faire des signes. C'est bon, non mais l'autre il va m'apprendre, allez tourne pour faire la vidéo. Voilà, donc là c'était la forme de trousse et ça fait un sac. Vraiment génial. Celui-là qui a créé ça, et ben monsieur Orval ou madame Orval, vraiment top. Il se plie vraiment bien. Ah, ça c'est vraiment une bonne idée pour mettre dans la voiture, tip top. Parce que des fois on va faire quelques petites courses, ben, même je vois à Nose ou à Action, ils ont des sacs, mais bon... mettre dedans, c'est ouais, c'est, ouais, ça fait vraiment top. J'aime beaucoup. Merci. Din din din. Ah, c'est encore enveloppé et enveloppé. Oh, ça serait une déco pour mettre dans le sapin, ça m'étonnerait pas. J'ai oublié de prendre le ciseau. C'est bien scotché. Attends, je vais aller chercher le ciseau. C'est vraiment bien scotché. Alors, je vais faire attention parce que s'il y a des... C'est bien pratique. Mon estuir. Oh, c'est beau.
On dirait une fée. Des fées. Ouais, deux fées. Elles sont magnifiques. Pour mettre dans le sapin. C'est vraiment génial. Elles sont chouettes. Je vais, ben, j'irai les mettre dans le sapin. Dès que j'ai fini la vidéo, on ira les mettre dans le sapin. Bon, je vais prendre celui-ci, tu l'aimes après. Fragile. Donc là, je dis soit une tablette de chocolat ou une palette. Ah, quand on y a écrit 100 grammes, ça peut être qu'une tablette de chocolat. Ah, mais deux tablettes de chocolat. Trop fort. Ça va être fragile pour l'estomac. J'ai ma réserve. Non, mais en plus, j'ai droit à ce chocolat-là. J'aime bien. Framboise intense et fleur de sel. Mmh. Non, t'aimes pas, toi. Non, non, non. Mais lui, c'est un malin, parce que jamais il ramène de chocolat. Jamais il en ramène, mais il va manger les miens, quoi. Ouais, ouais. Alors, non. Je ne dirai rien. Ben, ne dis rien. Alors, une trousse. Oh, elle est mignonne. From Paris. Elle est trop choupinette. Elle est vraiment trop sympa. Génial. Celui-ci, il a l'air d'être bien enveloppé. Tiens, je vais te laisser de faire celui-ci, je vais en ouvrir un autre. Alors, c'est pour Lily. Bah, dis donc, tu as gâté la nénette. Hein. Je mettrai aussi en dessous le sapin. Merci pour elle. Alors, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as dit, j'espère que rien n'est cassé. Alors, à mon avis, ça serait bien du fragile. Oh, bah ça c'est génial parce que j'en ai, on n'en a jamais assez. Attends, je vais ouvrir. Oh, t'as scotché. Tu veux? Oui, juste celui-là. Non, là. C'est fait à moitié. Mais non, je vois à moitié. Mais non, c'est qu'il y a plein de choses dedans en fait, tu m'as trompé. Je pensais que c'était une boîte que tu pouvais mettre les bijoux et en fait c'est rempli de chez rempli. Oh ouf. Oh là là. Alors là, il y a plein plein. Alors c'est des paillettes, je pense. Oh, je vois pas. Des petites. J'ai pas mis mes lunettes. Il y a écrit Leishi, je pense que c'est des paillettes, c'est pas des piments. Pas du tout. Là, par contre, ça m'a l'air d'être un pigment, celui-ci. Je vais découvrir ça. Il y en a un autre que je fasse attention. Ouais, Wendy. Petit pigment. Ensuite, oula, tout ce qu'il y a. Oula. Alors, crayon noir, je mets Maybelline, Lime Refine Oriental. Je ne l'ai jamais testé celui-ci. Jamais. Et du coup, je suis en train de chercher. J'ai testé, mais je ne me souviens plus duquel. C'est bon, je tiens. Je mets Maybelline, mais je ne me souviens plus. On n'a jamais assez de crayon noir, ça va très très vite. Hein. Qu'est-ce que c'est là? Alors, j'ai une pochette comme ça. Elles sont dures, celles-ci. Oh! Ah, ouf! C'est plein, 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 plein de pigments. Oh! Regarde. C'est énorme, c'est plein, plein, plein de pigments comme je vous ai montré. Vous voyez, j'en ai plein et il y en a vraiment de couleurs différentes. Je vais vous montrer ça. Donc il y en a carrément dans une pochette.
Je fais attention, une pochette entière de pigments. Oh là 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 là. Il y en a qui ont dû fuir parce que j'en ai plein les doigts. Oh, dis donc. Bon, je vais pas tous regarder, mais t'es une dingue, Mélanie. Hein. Oh, tout ce qu'il y a, regardez. Je vous raconte pas de bêtises. Et la pochette, elle est mais pleine. Merci beaucoup. J'en ai plein les doigts. Hop. BH Cosmétique Party Girl. Ces ongles, s'il te plaît. Merci. Tu l'as défait le truc? Oui. Une partie, parce que c'est pas mon avis. Vas-y, vas-y, défais-le. J'enlèverai le scotch. Alors, je vous présente. Oui. BH Party de BH Cosmétiques. Ils font des bons produits BH Cosmétiques. Et c'est une belle palette aussi, dans les tons violets. Il y a énormément de tons violets. Hein. Mmh. J'aime les tons violets. Il y a vraiment des... Là, c'est des diamants, style diamant. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, au niveau de la pigmentation, il y a de la pigmentation. Hein. Elle est trop belle. Il y a même un miroir. J'avais même pas fait attention. Sur toutes les palettes, il n'y a pas non plus de miroir. Elle est vraiment chouette. Merci! Je vais avoir des tutos à faire. Si mes lumières pouvaient arriver, ça serait bien. Parce que là, je peux même pas faire tuto. Puis là, avec ma main, c'est pas évident. Alors, le produit. Hop. L'IRAC. Démaquillant douceur. Mais tu m'en as parlé ce matin, l'IRAC. Je sais... Non? Ouais. Si, c'est toi? Mmh. Ah oui, je crois que c'était à Nose. C'était pas à Nose qui faisait... Des produits de l'Irak. Des produits de l'Irak. Ça n'a pas une odeur bien particulière. Donc, il va tester un démaquillant douceur. Donc, il va aller dans mon backup. Donc, trop contente aussi de tester cette marque-là. J'ai déjà eu des crèmes dans une ancienne Glossy Box. Ça fait très, très longtemps, début de ma chaîne. Donc là, il fait visage et yeux. Démaquillant douceur. Au top. Alors, je suis gaffe au ciseau. Et le dernier. Hop. Ah, déjà, c'est énorme. Là. Il y a plein de choses. Ah, le fameux petit contenant que je cherche trop fort. En fait, quand je me démaquille avec mes huiles biphasées, il y en a souvent, quand je les ouvre, ça gicle en fait. Et j'adore les huiles biphasées. Et en fait, je voulais ce système-là à pompe. J'avais essayé avec le dissolvant, mais ça sentait trop le dissolvant. Et là, petite lutinette à l'arrivée. Merci beaucoup. C'est génial, je vais pouvoir mettre mon démaquillant dedans et tester. Des petits bonbons. Haribo, c'est beau la vie. Pour les grands et les petits. C'est pas pour toi. C'est pour moi. Oh, t'auras droit, hein. Non, t'auras droit. Les deux. Pourquoi deux? Si j'ai pas le droit à un, si j'ai pas le droit à un, si tu m'en donnes un bon, ça peut être. Un peu trop, ça fera deux. Je suis pas trop bonbon. Bah, moi non plus, pas trop. Je suis pas trop gourmand, comme toi. Pas trop les bonbons. Du dos, oui, je suis gourmande, mais plus de chocolat. Lily, ça, je vais lui laisser pour elle, parce qu'elle adore, elle aime bien. Puis, je lui autorise en emmener à l'école. Alors là, c'est quoi? Ah bah, je le connais pas, celui-ci. Ah bah là, belle découverte. Gelé démaquillant de yeux waterproof de chez Inel. Donc c'est la marque père de chez Leclerc. Et moi, c'est mon démaquillant que je prends en général, en biphasé. Et c'est lui que justement, le capuchon, il n'est pas cool. Mais là, c'est carrément une gelée. Là, je demande à voir. Il est presque fini mon démaquillant d'Yves Rocher. Donc je vais tester dès ce soir. Parce que là, je suis vraiment curieuse. Yeux sensibles, porteurs de lentilles. Donc bien sûr, un crash test en ligne. Oh, elles sont trop belles. Et c'est mon style. Elles sont vraiment mignonnes. Toutes mini. Elles sont chouettes, hein. C'est vraiment mon style de boucle d'oreille en plus. Et ça, c'est quoi? SOS Makeup, des maquillons douceur, précis, efficace, lotion imprégnée. Ah bah là, tu me refais encore découvrir quelque chose. Ce sont des cotons-tiges qu'on peut se démaquiller avec. Les applicateurs SOS Makeup Inel contient la dose idéale de lotion démaquillante pour éliminer efficacement avec précision toute trace.
Et à tester pour voir. Hein. C'est vrai, quand on se met le mascara ou quand on se met du fard un peu en dessous, que ça déborde. Ben voilà, pourquoi pas. Ça, tu vois, je ne connaissais pas du tout. Donc, il y a un côté où qu'il faut casser. Vous voyez, il y a une petite barre orange, rose cassée. Donc, le produit, je pense, doit sortir. Et là, ensuite, il faut appliquer. À tester. En tout cas, tu m'as gâtée. C'est vraiment, mais trop, 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 quoi. C'est trop. C'est vraiment génial. En tout cas, comme je dis, hein, pour toutes les autres lutinettes, c'est vrai que tu m'apportes énormément sur ma chaîne, sur mes groupes, mes réseaux et tout. On partage beaucoup plus de choses. C'est vrai que maintenant, ça fait un peu plus que des abonnés, copinots virtuels, voilà. Et c'est vraiment trop, trop fort. J'ai pas de mots comme à chaque fois, je me sens toujours gênée, c'est ce que je dis. Je suis toujours gênée voilà, de recevoir, mais comme je vous ai déjà dit, même dans ma vie privée, je suis toujours gênée de recevoir. J'aime bien faire, mais quand je reçois, ça me gêne, je suis mal à l'aise. Il y a des fois, j'arrive pas trop à m'exprimer, ou il y a des fois, je vais carrément trop m'exprimer. C'est vraiment, voilà. En tout cas, c'est génial. Je te remercie beaucoup, Mélanie, parce que c'est aussi un colis du cœur. Tu as mis tout ton cœur et c'est encore un colis où tu me connais. Et là, j'ai énormément de découvertes. Ça va être vraiment génial. Il va falloir que je déménage. Il va falloir vraiment que je déménage parce que j'arrive à avoir plus de place. De toute façon, il faut absolument que je réfléchisse à une autre façon au niveau de ma chambre, là, avec les portants, des habits, plus le truc sur le côté. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je vais te regarder. Oui, tu me regardes. Il est là. J'essaie de faire mon rire fatal, mon sourire. Il te voyait pas, donc tu peux pas faire ton sourire fatal. Il n'y a rien pour toi. Oh. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir ouvert ce colis avec moi, d'avoir été présente comme à chaque fois. Merci Mélanie du plus profond de mon cœur. Lily viendra te remercier en message privé. Merci d'avoir pensé à elle. Je te fais plein, 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 plein de gros bisous. T'inquiète pas, tu vois, tout est là, rien n'est cassé. Je vais mettre tes petits pigments justement dans cette boîte-là, parce qu'il y en a énorme. Je sais même pas si dans toute ma vie je vais réussir à me servir de tout ce qu'il y a, quoi. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Ouais. Il y a vraiment de quoi s'éclater, c'est top du top, trop fort. Merci beaucoup, je te fais plein de gros bisous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une vidéo. Smile and Zen!